parle d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur votre compagnie compris Malfox. Comment vas-tu mon beau Malfox? Bien toi. T'as vu comment l'intro est sexy, t'as vu ça? J'avoue que j'étais surpris quand même. Hein. Ouais. Allez, c'est nous aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 sur Get a Faction. En fait, on se dit ça plutôt Get a Faction, mais plutôt plus de gens disent Get a Faction, mais c'est Get a Faction, you know? You know what I mean? Like, hey guys, je ferme ma gueule. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour l'avancement. On est le jour 2, on a encore quelques heures après l'ouverture. C'est juste que je serai pas là demain, j'ai envie de vous proposer comme une vidéo aujourd'hui, donc je me suis dit, ouais, je vais la faire d'avance, vous voyez. So, en gros, qu'est-ce qu'on a fait avec Malfox? Attends, Malfox, je pense qu'il faudra faire un autre plus ici. Pas obligé, hein. T'es sûr? Bah non. Ah ouais, t'as raison, mec, je suis trop con. Désolé. Oui. Désolé. C'est pas l'ordi. Pas de soucis. Hein. Ah, comme ça. Donc, ouais, je disais, je vais vous montrer un peu l'avancement de qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, surtout Malfox et... surtout Malfox, en fait. Mais non, j'en ai fait aussi, ouais, c'est vrai, j'en ai fait. Sur un gros, on a fait des champs de melon. On a vraiment... Moi, j'ai tout miné, en fait, puis Malfox s'est occupé des champs, plutôt. On pourrait dire ça comme ça. On va continuer à faire des champs un peu de tous les côtés. C'est un peu ça, notre plan. On va s'installer ici pour l'instant. On va essayer de se faire ben, quelques dollars. Parce que moi, je suis déjà à... Stash Money... Je suis déjà à 500$, toi t'es à combien? Ben j'ai encore rien vendu donc ouais, je suis à 300 quoi. Ouais voilà. Donc ouais, là on va vraiment s'occuper de farmer un peu. On a un spawner squelette si vous savez pas, donc ça va être bon pour faire pousser nos pouces vraiment rapidement. Je l'avais trouvé dans la vidéo 1. Ben je l'avais trouvé, je l'avais pas vraiment trouvé avec vous, mais je vous avais montré comme quoi que j'en possédais un. Sur ça c'est, ça peut être cool. So voilà, attendez, on va tuer tout ça. Puis on n'a pas eu vraiment énormément d'os. Mais en gros ouais, la poudre d'os on s'en sert pour faire pousser les plants le plus vite possible. Plus vite qu'il s'est poussé dans le fond, plus vite que nous on aura des melons, plus vite qu'on pourra continuer à grandir nos champs, etc. Aujourd'hui ça va vraiment être une petite vidéo les amis, je pense pas qu'on va faire plus que 6-7 minutes. C'est vraiment juste pour vous parler de l'avancement, nos plans pour la truc. Comme je dis, j'ai pas énormément de temps, je serai pas là aujourd'hui. So, je serai pas là aujourd'hui pour vous, dans le fond, quand vous écoutez cette vidéo-là. So, je voulais quand même vous proposer une vidéo, vu que maintenant, comme vous avez pu témoigner, je fais des vidéos presque tous les jours, ou du moins j'essaye de reprendre ma chaîne en main, vu que c'est ce qui me tient à cœur, puis voilà. So, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les recrutements, enfin, la faction appartient à moi et Malfox, donc c'est genre, on est deux admins, c'est juste qu'on arrive, j'arrive pas à mettre les deux admins, so, en gros, c'est moi et lui qui prennent les décisions ensemble. Ouais, on a déjà recruté Zabordino, parce que ben c'est un joueur qui traîne souvent sur le TS, Nezo, ben c'est Nezo quoi, et Shoops parce que c'est un ami à moi. On sait pas trop si on va recruter des abonnés en fait. Moi j'aimerais ça, on va peut-être en recruter voilà, quelques-uns, mais ceux qui sont genre sérieux, qui veulent vraiment jouer, puis... qui vont pas trop ou quoi que ce soit. So, on va sûrement recruter des personnes comme ça, mais on va le faire genre à l'interne, dans le sens que si vous jouez, on va vous proposer une demande. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est nous qui va vous inviter, ça sert à rien de nous demander à tout le temps, genre, oh, est-ce que tu recrutes, blablabla. Ça fait juste plus nous énerver qu'autre chose. Par exemple, vous pouvez poster une petite candidature dans les commentaires. Si on passe par là, peut-être qu'on va vous répondre et on va vous dire, ouais, hey, t'as l'air intéressant, mec, pourquoi tu viens pas nous aider? Ce que je veux dire par petite candidature, je veux dire, ben, regarde, dites-nous genre, ah ouais, moi, j'ai déjà une base, j'ai déjà une farm. Tu sais, peut-être que ça peut être intéressant pour tout le monde et tout. Donc voilà, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? So, je vais continuer à miner un peu par là, de ce côté-là, pendant que je vous parle. So, ouais, on va essayer, comme j'ai dit, de faire des champs un peu tout le tour de notre spawner. Pour essayer de se faire le max d'argent possible. Après, on va s'éloigner énormément. On va se rendre à nos coordonnées idéales. Parce que ça, c'est pas vraiment nos coordonnées idéales. On était un peu d'accord avec moi, Malfox, là-dessus, je pense. Ouais. On va vraiment s'en aller à des coordonnées qui sont vraiment, ben, presque introuvables. Puis, on va faire un home non-claim, je pense. L'obsidienne, elle doit être cassable et tout. Je suis pas vraiment... Il n'y a pas de workshop. Non, en fait, écoute, tu dois aller au spawn. Puis t'auras un genre de téléporteur, ça, genre, tu comprends? Puis là, c'est lui qui va te téléporter. Okay. Ben, t'auras un genre de, ouais, de bonhomme. Attirer, en fait. Ben, t'as un bonhomme, retourne en haut. Ah oui, ça, c'est la zone des ventes. En gros, ouais. Ouais, voilà. Mais zone des achats. Faut que tu passes par le genre un putain de PNJ ou truc comme ça. Je sais pas comment l'appeler, genre. C'est un citizen, en gros, là, mais. C'est un plugin, genre, mais moi, je sais quoi, mais toi, tu sais pas. Mais... Ouais, ils ont pas mal de trucs, c'est bien. Ouais, il y a vraiment pas mal de trucs. Tu peux presque tout vendre, là. Dis-moi combien de melons ils se vendent, vite fait, juste comme ça. Ça vaut-tu vraiment attends, la peine? Je regarde deux minutes. Parce qu'on pourrait peut-être faire la citrouille, si la citrouille est la même ah, chose. Ah, par contre, ils vendent pas de... De melons? Non, de poudre d'os. Parce que j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, ça, à ce niveau-là. Mais bon, tant pis, je farmerai un peu. Mais enlève les torches sur enlève les torches sur le spawner, dude. Ah, les ventes, en fait, pour les melons, c'est le bloc de melons qui se vend. Et c'est 0,7 chacun.
L'unité. Ok. Donc ça c'est pas si rentable que ça au final. Hein. Ouais, ben c'est qu'il faut que ça soit quand même difficile, sachant qu'on peut acheter les kits et tout avec ça, donc ouais, je comprends quoi. Il n'y a pas de torche ici. Ça c'est bon. On va mettre ça là. On va enlever les torches vite fait ici. Hop. Stage buzz. Slash base, ça existe pas ça, mec. Slash home base, oh. Non, 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 fais pas le genre, fais pas le genre. So, Non. comme j'ai dit, on va essayer de miner un peu de tous les côtés, essayer de faire des champs un peu de tous les Je côtés. vais faire le spawner maintenant. Le quoi? Le spawner. Ok, bah regarde, en fait, je t'explique. J'ai enlevé les torches, ceux-là, ils vont tomber. Tu vois, Top, je m'en fous de ça ces tombe ingots. déjà un peu plus. Au moins, ouais, on pourra avancer là-dessus. So, donne-moi les os que t'as déjà, je vais aller les poser. Puis après ça, je vais faire une petite pause de vidéo. On va reprendre la vidéo un peu plus tard, dans le fond, quand on aura fait le spawner. Ok. Ouais. Ok? So, ça va être le plan. On va faire le spawner avec Malfox, les amis. Puis dès que c'est fait, on va vous reprendre un peu plus tard. À moins que je m'endorme comme une merde, mais ça risque sûrement d'arriver, ça. En tout Ouais, c'est cas, ça. c'est pas grave, on se retrouve un peu plus tard. À tout de suite, les amis. Yo les gars, on se reprend, on a un petit peu avancé, enfin beaucoup avancé, surtout sur les minages de chaque côté. Je fais ça depuis quand même un bon moment, j'ai aussi récolté un peu. J'ai essayé d'avoir de l'argent, comme vous voyez, j'ai des blocs. J'ai des blocs déjà, je viens juste de me réveiller en fait. Je viens juste de me réveiller, j'ai directement voulu terminer la vidéo que j'avais fait. Comme j'ai dit, je serai pas là aujourd'hui, je vais en profiter. Oh, fuck. Je vais en profiter au max le plus possible avant de devoir partir, donc j'espère avancer. Et normalement ici, c'est notre spawner à squelette. Je vais vous montrer le fonctionnement un peu vite fait juste après, vous allez voir. C'est pas le top, c'est pas le best du best, mais c'est mieux qu'à rien. On a essayé de les faire remonter, on s'est un peu compliqué la vie pour rien. Mais bon, en gros, le spawner, si vous regardez ici. Okay, le spawner, il est là. Et puis ensuite, ils s'en vont là, je crois. Regardez, comme ça. En bas, je vais juste miner les blocs là, parce que... Malfoy qui s'est mis des blocs, mais je vais les prendre, moi, les melons. On va remplacer par des trucs comme ça. Hop là. Ok, par exemple, je suis coincé. Rip. Voilà. Voilà. Oh shit. Comme ça, au moins, on va. Ah, shit. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis, en gros, ouais, on a décidé de refaire ça comme ça. Et puis, en gros, les squelettes, ils vont là. Ensuite, ils montent. Comme ça. Arrête de me tirer dessus, s'il te plaît. Il tombe ici. Et là, boum, direct dans le trou. C'est quand même assez stylé comme système. C'est assez ben, efficace pour nous parce qu'il y a un hooper en bas. Et on peut le casser et faire tout ce qu'on a à faire. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que les mobs se stack dans le fond. Ça. Regardez, là, on peut l'en tuer plein. Puis sans souci. So, on va faire ça vite fait. Tac, tac, tac. Comme ça, je crois que c'était. Bon, là ici ça devait être une dalle. Ah, oh, shit, qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Ah, oh, c'était correct, c'était comme ça. Ok, good. Je sais pas, ouais, il m'avait écrit comme gros qu'il savait pas trop et tout, mais c'est correct, il a bien fait ça. Comme ça, on va mettre ça. Ouais, il y avait une dalle sûrement ici. Est-ce qu'elle est tombée dans le truc? Il y avait une dalle sûrement ici, je crois. Voilà, comme ça. Ok, voilà. Sur les flèches, les arcs, tous ces trucs-là vont dans le coffre. Moi, j'ai juste besoin des os en ce moment. So, on va prendre juste les os et ça, voilà. So, ça l'avance bien. On va faire un truc stylé ici. On va quand même rendre ça quand même un peu plus propre. On va faire ça comme ça, tiens. Pourquoi pas comme ça. Ici, on va... fermer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, on va fermer dans le fond, vu que ça sert à rien, tout ça. On va mettre des blocs pour pas que ça spawn. Voilà. So, ouais, on est vraiment au début du serveur, les amis. On est encore, ben, le lendemain de l'ouverture, quoi. So, on est encore vraiment au début. Je vais juste promote. Choups. Choups. Promote, voilà. Comme ça. On va juste couper le truc comme ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Oh! Ok. Comme ceci. Comme cela. Nickel. Ça, c'est super. Ici, il faudra boucher. On va juste prendre le bois parce que, comme j'ai dit, on n'a pas été miné de bois avec Malfox. On va vraiment prendre tout ce qui est ici, quoi. On va ensuite juste fermer dans le fond comme ça. On va juste vite fait. Voilà, récupérer ça. Récupérer le bois vite fait. Bon, j'avoue que je préfère mon kit build, là, mais... La flamme. Voilà. Nickel. Alors,
comme j'ai dit, on va juste boucher ça. Ça devrait être bon. Puis je vais vous montrer le reste, les enfants. Je suis plutôt content qu'on ait miné, on a comment avancé. On va continuer à faire les champs. Et puis je vais faire une autre séquence, en fait je vais agrandir les champs, puis je vais vous reprendre tout de suite après, mais c'était juste pour vous montrer ça. Sauf ça ici, ouais, comme j'ai dit, ben en gros c'est ça. C'est le l'ascenseur, si on peut dire. Si je mets un bloc là, est-ce que les squelettes pourront passer quand même? Ouais. Ok, shit, il y en a quand même 19 là. Ok, attendez. On va essayer de sortir d'ici. Est-ce qu'on peut en faisant ça, si vous croyez? Non, ça marche pas. Bon, moi, je vais réessayer. Au pire, je peux faire un trou juste là, puis sortir, regardez. Voilà. C'est au moins que ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Ouais. Je vais pas faire ça partout, mais ici, au moins, on fera ça. Comme ça. Ici, on est obligé, ouais. C'est comme ça, ici. Comme ça, on va faire ça, comme ça. Comme ça, ça va être un peu plus propre. On va faire des escaliers ici. Pour que ce soit juste un peu plus petit, genre pour pas qu'on soit obligé de sauter tout le temps, ça peut être plus pratique de faire ça. On va en faire 3 de chaque, ça nous fera faire 12. Tac tac, et puis on va faire tac tac, hop là. Voilà. Et puis aussi on va mettre dans le fond, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça c'est bon. Comme j'ai dit, on va faire ça là-bas. Attendez. Oh, là, je me suis couru encore. J'avais fait pile pas le nombre d'escaliers qu'il fallait. Ici, il faudra en faire aussi. Ok, on va en faire encore vite fait. Tac, tac, tac. C'est bon comme ça, vous croyez? Ou attendez, peut-être que non, attends. Peut-être que si on les aurait laissés comme ça, ça aurait été mieux. Comme ça, dans le fond. Ouais, ça va être mieux comme ça. Puis ici, dans le fond, à la place d'une dalle, comme ça. Je suis fucking concentré quand on fait des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, comme vous voyez, on peut le mettre comme ça. On peut sauter. Voilà, on peut tuer les squelettes. Là, il y en a quand même pas mal. Ça spawn vraiment assez bien. Hein. No joke, ça spawn vraiment bien. Quand on reste aux alentours, là, ça peut vraiment aller vite pour avoir des os et tout. So, voilà. On saute, puis on fait des coups critiques. Ça va, c'est quand même assez vite. Comme ça, voilà. So, ça au moins, c'est fait. C'est arrangé. Tac, tac. Et puis, comme je vous dis, ben, je vais faire ça, puis je vous reprends un peu plus tard. En gros, je vais juste agrandir les champs. Faire de mon mur pour qu'il soit un peu plus grand, que ça produise un peu plus rapidement. J'ai pas mal d'os, j'ai pas mal de graines qu'on pourra faire et tout, donc à tout de suite les amis. Yop les gars, on se reprend, je suis accompagné de Choup. Salut Choup, ça va? Mon copain. En gros les amis, on est en train de faire d'agrandir, comme je l'ai dit, on a miné quand même pas mal ici. Puis on a placé l'eau, on a mis les trucs, j'ai aussi téléchargé pas mal de texture pack. Donc j'ai essayé de vous présenter toutes ces packs là bientôt, genre je vais essayer de faire de alterner assez souvent. Puis je vais continuer à faire mes packs de texture, donc si vous avez... Ah merci. Si vous avez des packs de textures à me conseiller, allez-y, je vais pouvoir les essayer. Puis à un moment donné, genre peut-être pour les gens autour des 15 000 abonnés, je vous ferai un texture pack release ou quelque chose comme ça, genre avec tous mes packs que j'ai utilisés de toutes mes vidéos. Comme ça. Donc on va finir la ligne ici, les amis, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Le but c'était pas de vous emmerder trop longtemps non plus. So, ça va être parfait, je crois, si on fait ça. Oh, voilà, juste comme ça. Pas obligé de mettre beaucoup de torches généralisées. Puis là, on va faire ça comme ça. Ah, oh, so ouais. On va avoir une petite ferme. On va essayer d'aller vendre si ça nous fait combien la ligne de melon qu'on a. Si ça nous en fait quand même pas mal, on va continuer à faire les melons. Sinon, on va essayer de trouver un autre système de ferme. Peut-être faire d'autres choses, d'autres types de ferme pour que ça aille un peu plus vite. Je verrai bien. Donc ça, c'est bon. Ici, il manque quoi? Pourquoi ça a pas marché? Ah, j'ai pas de houe, c'est vrai. Ma houe elle a cassé, wesh. Je vais me recrafter une houe. Et attends, je t'en fais une. Je vais être là. Il y a du truc dans le coffre, au pire, du fer. Attends. Ça. Faudrait refaire des. Des coffres. Ouais. Et j'en fais. Vas-y. Comme ça. Ça, ouais.
Ah oh, shit, j'ai lancé une underpearl sans faire exprès. Comme ça. Attendez, comme ça. Voilà les copains. Ensuite, on va former les... Ouais, non, j'ai raison, je sais pas pourquoi ça fait ça, là. Ça s'enlève. Il manque de lumière, sûrement. Pourtant, il y a de l'eau en dessous. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je pensais. Il faut juste mettre un peu de lumière au bout ici, comme ça. On en mettra comme ça. Nickel. Je vais finir ça, les amis. Comme j'ai dit, on va faire tout pousser ça dans le prochain épisode. Je vais essayer de vous proposer ben, l'agrandissement là. Et puis, peut-être, je vais essayer de trouver un pillage. Ce sera pas facile, les amis. Mais avec l'aide des abonnés ou n'importe qui, on va peut-être sûrement trouver quelque chose d'intéressant. Donc, ça peut être intéressant pour le prochain épisode. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Merci d'avoir été là tout au long de la vidéo. Si vous êtes là jusqu'en ce moment, vous pouvez laisser un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Commentez la vidéo, ce que vous avez apprécié le plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse bientôt. Les packs de textures, bien entendu, n'oubliez pas. J'aimerais que vous m'en proposiez certains. Ça me ferait énormément plaisir de savoir quel type de pack que vous aimez aussi. Et puis voilà, gros merci d'avoir écouté la vidéo les amis, c'était Icon, c'est Pikachu d'Internet accompagné de Choups. Je sais pas si t'as une chaîne YouTube ou quelque chose que les gens puissent aller voir ta chaîne. Non Choups, ok. Choups, y a pas de chaîne, donc allez pas vous abonner à Choups. Abonnez-vous les amis, c'est pas déjà fait, je vous aime, c'était Icon, bonne fin de journée.